Bonjour à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Bonjour Jean-Michel Mich. Bonjour monsieur Jean-Pierre Faucu. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, vous allez jouer avec nous dans un instant à Qui veut gagner des millions. Et tout à fait. Alors, je vais vous raconter un peu votre vie. Quel est votre métier? Alors, mon métier à moi, c'est un métier qui n'est pas commun, que tout le monde ne connaît pas. Hein, allez, expliquez-nous. Puisque je suis chatouilleur de mouches. Expliquez-nous comment on fait ça, chatouilleur de mouches. Alors déjà, il faut avoir des petits doigts, des doigts experts. Alors forcément, moi j'utilise plutôt des pinces à épiler, okay, ou des petits cure-dents afin de chatouiller la mouche gentiment et sans lui arracher les ailes quand même. Parce qu'on n'est pas des barbares. Donc on apprend toujours des choses. Voilà. Et est-ce que vous avez des passions dans la vie? Est-ce que vous avez des passions? Des loisirs? Oui, je sais pas si on peut le dire à l'antenne. C'est vrai que j'aime bien la paluche. La paluche, qu'est-ce que c'est? J'aime bien me palucher. Je me paluche le jour, la nuit, l'hiver, l'été, chez moi, dans les transports en commun, un peu partout. On va commencer le jeu? Oui, 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 c'est mieux. C'est mieux, donc la pyramide des gains, vous la connaissez, on commence à 800 euros, il y a 1500, il y a 46 000 et il y a 1 million d'euros. Oh, en espérant que vous y arrivez. Tout à fait, tout à fait. Évidemment. Jean-Michel joue à qui veut gagner 2 millions. C'est la première question pour 800. Quel est le cheval blanc dans les 4? Réponse A, blanc. Réponse B, blanc. Réponse C, blanc. Ou réponse D, noir. Je vous rappelle vos 3 jokers. Rappel à un ami, le vote du public. C'est pas facile, pas facile. En même temps, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais les chevaux, ça avale, ça cavale. Peut-être que ce serait blanc, mais j'hésite avec le noir. Je pense que je vais regarder ma chemise et je crois que j'ai un peu plus de noir que de blanc. Vous pouvez prendre des jokers, monsieur. Je vais quand même appeler. Un ami. Je vais quand même appeler. C'est pas vraiment un ami, c'est un voisin. Alors, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Bernard. Ah. Ordinateur, appelez Bernard. Après, je sais pas s'il sera réveillé parce que Bernard c'est un couche-tard. On me dit que nous n'avons pas de forfait pour appeler un ami. Nous n'avons pas payé le forfait. Ah bon? Donc, pas d'appel à un ami. Vous pouvez prendre un joker en revanche. Ah bah ouais, parce que moi c'était Bernard. On n'a pas malheureusement plus de forfait. Bernard il voit en noir et blanc donc c'était pratique. Mais il n'y a plus de forfait donc l'appel à un ami ou l'autre 50-50. Je vais prendre le. Allez, je me lâche. 50-50. 50-50, ordinateur, voilà. Retiré, deux mauvaises réponses. Il reste la réponse faisait B, qui est blanc, et la réponse noire, qui est D. Ah, alors, blanc, noir, noir, blanc, c'est un peu le même dilemme. J'aurais dû prendre l'autre blanc en fait. Michel blanc, Francis noir, Allez, le noir. Le noir, vous prenez pas donc votre troisième réponse. C'est... c'est mon dernier mot, monsieur Faucu, monsieur Jean-Pierre. C'est votre dernier mot, donc c'est validé. Tout à fait. Et avant de faire la réponse chez vous, si vous souhaitez pouvoir un jour participer à cette émission, vous pouvez dès maintenant vous inscrire et vous pouvez dès maintenant participer à cette question même. Pour vous, quel est le cheval blanc dans les 4? Est-ce que c'est réponse A, blanc, ou réponse D, noir? Si vous pensez que c'est la première, donc le blanc, vous pouvez mettre un pouce en l'air, et vous pouvez mettre un commentaire si vous pensez que c'est la noire. On continue tout de suite, voici la réponse, et malheureusement, c'était la blanc. Oh. Jean-Michel, je suis désolé, vous m'avez perdu, mais vous ne repartez pas sans rien. Vous repartez avec un magnifique cadeau, 1 kg de viande chez monsieur Alexandre. Yeah. Chez Alexandre. Donc on met les liens dans la description. Ah bah en plus j'aime la viande. Vous aimez la viande, bien entendu. Et une fois j'ai tripoté un cheval, il s'appelait Alexandre. Donc ça me rappelle des souvenirs d'enfance, des bons moments passés. Donc voilà, je suis désolé Jean-Michel, je vous avais perdu. C'est la fin de ce qui veut gagner des millions. À très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Un serpent, un serpent, j'ai fait tout ce qu'on va gagner.